Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est le 1er août, c'est samedi 2020, 5h57, heure du Québec. Heureux de vous retrouver en ces temps des plus mémorables, extraordinaires, fantastiques, hallucinants, historiques. Et c'est pas fini. On n'a pas fini de vivre des événements incroyables. Ceux qui pensent que c'est history, c'est pas possible. C'est pas dans quel univers ils vivent. Le monde économique est en train de s'écrouler. La misère va se répandre comme une traînée de poudre. On n'est pas sorti de l'auberge avec la pandémie elle-même. Il y a des problèmes majeurs à l'horizon. Et t'as des gens qui pensent que tout ça, c'est une fumisterie, puis c'est n'importe quoi, c'est une grippette. Ceux qui ne sont pas convaincus que c'est vrai, moi, j'ai couvert cette histoire-là depuis décembre, janvier, février, mars. Sur ma chaîne Patreon, j'en ai marre, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre, vous allez voir des images exclusives que j'ai trouvées qui provenaient de Chine, filmées par des Chinois avec leur téléphone avant que le gouvernement décide de raser toutes les formes de technologie possible que les Chinois avaient pour nous transmettre des images. Et vous allez être renversé par ces images-là. Les gens tombaient dans les rues. Littéralement, tu avais des centaines de corps abandonnés dans les rues, dans les hôpitaux. On avait des crématoires mobiles. C'est pas un virus ordinaire, là. Quelle est son origine? Moi, je ne sais pas, puis il n'y a personne qui le sait, puis ça ne donne rien de se casser la tête avec ça pour l'instant. Mais c'est un virus qui n'a rien à voir avec la grippe. Et là, on apprend. C'était publié ce matin ou hier, 31 juillet, que les survivants du COVID-19 pourraient perdre l'audition ainsi que l'odorat et le goût. Ça nous vient de New York Post, hein, qui n'est vraiment pas un journal démocrate. Ça, c'est le seul journal de New York qui est républicain. Il a déjà été établi que certains survivants du coronavirus perdent leur odorat et leur goût. Vous avez entendu ça. Moi, j'ai plein de clients qui ont été infectés et d'amis et de connaissances qui m'ont dit que ils perdaient l'odorat et le goût. Mais les médecins britanniques préviennent maintenant qu'ils peuvent également perdre leur audition selon un rapport. Des experts de l'Université de Manchester ont étudié 121 adultes admis à l'hôpital de Whitehall qui ont été interrogés sur leurs symptômes persistants pendant 2 mois après leur sortie de l'hôpital, a rapporté le Mirror. Et 8 d'entre eux ont signalé une perte d'audition. Et 8 autres ont déclaré avoir développé des acouphènes ou des bourdonnements d'oreilles selon les médias. Parce qu'on sait que le virus a, pour plus certains des malades aussi, créé des hallucinations, créé des problèmes cérébraux, hein, au cerveau. Nous savons déjà que le virus tel que la rougeole, les oreillons et la méningite peuvent entraîner une perte auditive et que les coronavirus peuvent endommager les nerfs qui transportent les informations vers et depuis le cerveau, a déclaré Kevin Monroe, professeur d'audiologie à l'Université de Manchester. Il est possible, en théorie, que la COVID-19 puisse causer des problèmes avec certaines parties du système auditif, y compris l'oreille moyenne ou la clocher. A-t-il ajouté, rapporte le Mirror par exemple, la neuropathie auditive, un trouble auditif où la cochlée fonctionne, mais la transmission le long du nerf auditif au cerveau est altérée, pourrait être une caractéristique, a déclaré Monroe de la COVID-19. Il a déclaré que le bug mortel pourrait également avoir un impact sur la perte auditive et les acouphènes préexistants, ajoutant qu'il existe un besoin urgent d'études de haute qualité pour étudier les effets aigus et temporaires du COVID-19 sur l'audition et le système audio-vestibulaire. Certaines personnes qui se remettent de la maladie constatent que leurs symptômes persistent pendant des mois. Moi, j'ai quelqu'un qui a été malade dans l'entourage de mon patron, puis qui n'est pas capable de récupérer depuis des mois, et ça, on entend ça dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Paul Gartner a déclaré dans un article de blog publié par le British Medical Journal que son combat contre la maladie avait duré 7 semaines, 7 semaines, et que ses symptômes avaient augmenté et diminué. Il a décrit une tête lourde et modestement des acouphènes, bourdonnements dans les oreilles, des épingles et des aiguilles, un essoufflement, des étourdissements et de l'arthrite
dans les mains. Franchement, on est vraiment encore dans l'inconnu, puis c'est un virus qui est loin d'être une grippette, et c'est important que vous réalisiez ça et que vous arrêtiez d'écouter les insignifiants qui racontent n'importe quoi. Je sais que ça peut plaire à une certaine clientèle, surtout de YouTube, hein, qui est vraiment attiré par toutes les théories conspirationnistes, mais franchement, renseignez-vous. C'est la moindre des choses. On est en 2020. On n'est pas à l'heure. On n'est pas à l'âge des cavernes puis à l'ère des cavernes, là. Vous avez les moyens de vous renseigner. Faites-le donc. Je vous reviens.